Nous sommes ravis de vous accueillir sur notre piste familiale et tenons particulièrement à vous. Alors regardez bien cette vidéo et suivez scrupuleusement tous ces conseils. Vous ne devez pas participer à cette activité si vous ne mesurez pas 1 m 30, si vous êtes sous l'emprise de médicaments, d'alcool ou de stupéfiants. La pratique du kart est fortement déconseillée aux futures mamans, ainsi qu'aux personnes souffrant du dos ou ayant des problèmes cardiaques. Des casiers sont à votre disposition. Nous vous invitons à vider vos poches. Clés, téléphone, portefeuille, les objets perdus sur la piste sont rarement retrouvés. Les vêtements flottants sont interdits. Avant de quitter la salle de briefing, vous devez porter un casque bien attaché et visière fermée. Sur le kart, l'accélérateur est à droite, le frein à gauche. Pensez à bien relâcher la pédale d'accélérateur et freiner progressivement pour éviter le tête-à-queue. À l'approche des virages et des barrières de sécurité, rouges et blanches, pensez à anticiper le freinage. Si vous heurtez une barrière de sécurité, le commissaire de piste peut vous demander de rentrer au stand pour vérifier que les organes de sécurité du kart ne sont pas endommagés. Il est interdit de rouler sur les bandes de couleur rouge et blanche au sol. Si vous le faites, vous risquez d'être ralenti automatiquement. De ralentir sans raison ou de s'arrêter sur la piste, même pour aider un autre concurrent, les pisteurs s'en chargent. Lors d'un incident sur la piste, le drapeau jaune est agité. Vous devez obligatoirement ralentir, lâcher l'accélérateur et il vous est interdit de doubler jusqu'à ce que vous ayez passé l'incident. Si vous ne respectez pas cette règle importante, vous risquez d'être ralenti automatiquement. En cas de sortie de piste ou de tête à queue, vous devez vous-même vous remettre dans le sens de roulage. Si vous êtes coincé, restez assis et levez la main. Un pisteur viendra vous aider. À la fin de la séance, votre kart sera automatiquement ralenti dans le dernier tour. Vous devez alors rentrer dans les stands en roulant au pas et vous arrêter là d'où vous êtes parti. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à interroger le commissaire de piste avant le départ. Nous vous souhaitons une agréable séance et que le meilleur gagne.